Bunch of books. Salut tout le monde, malgré une météo qui est plutôt défavorable, il y a une brocante qui attend entre 100 et 200 exposants, ça se passe à Bourbon-Lancy, j'y suis parti, il me reste environ 40 minutes de route. Voilà, bah écoutez, je vais profiter du magnifique temps là qui s'abat sur la voiture, tellement ébloui que je vais remettre les lunettes. Allez, à tout de suite sur les lieux. Bonjour, vous les vendez combien le jeu s'il vous plaît? 4 euros. 4 euros, d'accord, très bien, merci. Je fais mon tour, pas de soucis. Ah, c'est de la VHS. Oui. Marrant, j'avais jamais vu en coffret. Ouais, ouais. Ouais, c'est sympa. Ça commence à dater un peu, oui. Ouais, ouais, je pense, ouais. Ouais, ça revient. Ça revient un peu. 2002. Ouais. Pas tant que ça. Ouais. Mais ça revient un peu à la mode. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais.
petite, moi j'étais petite. Oh, ça c'est très joli. Bonjour madame, vous la vendez combien s'il vous plaît? Deux. Ça passe à un? C'est sympa de voir ça. Perdu son aileron. Ça c'est pas tout jeune, mais c'est pas d'ici surtout.
Vous avez la clé, ouais. J'étais en train de me dire que c'était pas tout jeune. C'est marrant, ouais. Matchbox, plus de portière. C'est dézingué, majorette. Minot Wheels, intéressant, on donne de l'bi. Matchbox mort. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Là, j'aurais été un chariot élévateur dézingué. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une autre île, ça. Ouais. Ouais, c'est beau. Ça c'est une autre Wheels aussi. Elle est morte. C'est dommage. Elle est vieille. 1977. Ah, c'est marrant, mais c'est pas qualitatif. C'est une catastrophe. C'est collé sur des cadres. Ouais. C'est vraiment dommage. Je retombe en enfance. Allez-y. C'est tant jamais. Ouais, ouais. J'ai fait ça tout à l'heure. J'avais pas trouvé ça. Mais c'est bien, c'est une bonne maladie de fouiller un peu dans les trésors des enfants.
Les prix, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça donne? D'accord. Est-ce que ça, c'est du Duplo? Ouais. Oui, marrant. Moi? Je sais pas, vous en avez pris combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, le tonneau doit aller avec un. 2 euros, ça vous va? Elle est vendue. Allez. Merci. Moi, je suis négocié ce qu'il est complet. Ouais. 3 euros, on passe ou pas? Vendu. Hop, merci. Bonne journée. Bonjour, vous les vendez combien les petites voitures? Vous voulez tout l'ensemble? Ah, l'ensemble non, je vais en prendre une ou deux. Une ou deux, d'accord. Okay. Un euro. Un euro pièce? Oui. Elles sont toutes neuves, je les ai. Ouais. J'ai juste enlevé l'emballage. Je suis tout nu en monnaie. 4 euros les 5, on serait bon. Ouais. C'est gentil. Merci beaucoup. Totalement or. C'est quoi majoré? Bonjour. Bonjour. Je vais prendre la petite boîte Astérix, s'il vous plaît. Voilà, c'est une vente flash. Merci beaucoup. Je pose mes petites choses. Hop. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Ouais. C'est dédoublé.
c'est dédoublé ici, c'est un espèce d'aggloméré foireux. Je peux enlever le grip là. Je vais vous faire une proposition. Elle passe, c'est bien, elle passe pas, c'est pas grave. Je peux vous... Ouais. Je peux vous en donner 2 euros. Ouais. En fait, moi je vous explique, c'est que je les démonte, je les ponce, je les apprête, machin, et je fais des œuvres dessus. Donc si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Voilà. Ah mais pas non, pas une pennyboard en plus. Pas pour un adulte. Elle est décollée sur la tranche là. En fait, la glosse dédouble de l'autre côté. J'ai dû le ranger à l'envers, ouais. Bon, allez, 2 euros. Ouais. C'est bon pour vous? Ouais. Oh, c'est sympa. Ça, c'est du Bernard Buffet. Vous avez pu constater que ça valait le coup de faire de la borne pour aller trouver des petites bricoles parce que j'ai ramené plein de cochonneries. On va commencer par le débrief des Playmobil. Alors les Playmobil, j'ai trouvé un petit policier. Ouh là là, le policier il est un petit peu déhanché là. C'est Village People peut-être. Hein. Voilà, un policier, j'ai un mec qui fait des travaux publics je pense. Ils sont pas dans un mauvais état. Hein. J'en ai un deuxième d'ailleurs qui fait des travaux publics. Voilà, il n'y a pas tous les accessoires, il fallait que je fouille. En fait les accessoires étaient dans le sac que vous avez vu, mais il fallait vraiment fouiller. Je suis pas un pro du Playmobil, donc je ne savais pas trop ce qu'il y avait, ce qui allait avec. Il y a ce Gugus là, qui est pas mal non plus, super bon état. Il y a un petit personnage de ce genre là, voilà, un enfant, qui est plutôt en bon état aussi. Il y avait un bidon, alors le bidon c'est pareil, contrairement à Lego, il y a Playmobil, ils mettent pas, ils estampillent pas Playmobil, c'est dommage, mais je pense que le bidon doit concorder, parce que j'ai quand même l'impression qu'on se rapproche de la couleur des Gugus de travaux publics. Hein. Dites en commentaire si vous connaissez ça, mais je pense que je ne me trompe pas. Le lot de Playmobil, hein, tout ça là, 2 euros, voilà. La dame a été super sympa, il manque une bricole sur le casque là. Bon bref, c'est pas grave, 2 euros pour les Playmobil. Ensuite, je passe à quoi? Tiens donc, j'ai trouvé une Bumblebee. C'est une Bumblebee Hot Wheels. Alors par contre, celle-là, elle est cool parce qu'elle est très très vieille. Et elle est pourtant dans un état qui est vraiment super bon. Donc celle-ci, elle date de... C'était déjà fabriqué en Malaisie. Hein. Celle-ci, elle date de 1982. Sans déconner, quoi. C'est une caisse qui a 40 berges, quoi. Elle est superbe. Elle est superbe dans un état top du top. Donc du coup, ça fait une Bumblebee. Je l'avais pas. Parfait. J'ai trouvé ensuite un jeu vidéo, Les Lapins Crétins, la grosse bagarre sur 3DS. Donc Les Lapins Crétins, grosse bagarre avec le manuel, le jeu. C'était vendu 4 euros, je l'ai négocié à 3 euros. Voilà, je suis ravi. J'ai dégoté de la Matchbox. Matchbox 1968, alors c'est un Dodge de 1968 qui a été édité en 2018. Dodge 68 Matchbox édité en 2018, super bon état. Le monsieur en fait il m'a expliqué, il m'a dit je les ai achetés, je les ai déballés et puis voilà. Donc elles sont neuves. Hein. Une mini, toujours en Matchbox, c'est une mini, est-ce qu'on a la date? C'est une mini de 2008, Mini Cooper. Super bon état, je pense que ça a été mis en petite exposition et puis c'est resté comme tel. On est encore sur une Matchbox Chevrolet Corvette. Alors celle-ci a été éditée en 2020, très belle qualité. J'ai un Hot Rod, un Ford 35, édité en 2018. On est toujours sur du Matchbox, hein. Donc on se rapproche quand même du look des Hot Wheels. Hein. Faut pas se leurrer, je vous aurais pas dit c'est du Matchbox. On voit, voilà, même celle-ci surtout, on aurait pu dire c'est une Hot Wheels, mais non, c'est une Matchbox. Il s'agit d'une Chevy 75 Caprice classique. Elle a été éditée, elle est sortie d'usine en 2018. Très très propre, hein. Superbe, finition au top. Donc voilà, c'est pour ça que Matchbox, j'ai vraiment, j'aime bien aussi, quoi. Voilà, Matchbox et Hot Wheels, je pense que c'est... pour moi les deux meilleures marques en termes de finition, sauf la gamme premium chez Majorette. Mais la gamme premium, elle est à 5 ou 6 balles par véhicule. Je continue, j'ai chopé cette superbe boîte de collection. Idée fixe, c'est du Delacre et je l'ai eu à 50 centimes. Elle est pas beignée, dedans elle est nickel, elle est neuve et il m'a dit j'en ai plein comme ça. Donc il la vend pas cher et ça c'est vachement bien. Il y a des gens qui les vendent entre 7 et 10 euros ces boîtes
et en fait ils les vendent comme si elles étaient pleines, sauf qu'elles sont largement vidées. Je suis ravi de l'avoir celle-ci, hein. Ça va aller derrière là, avec les autres. Et j'ai gratté ça avec ça. Cette pennyboard, en fait c'est une pennyboard, pas réellement, c'est une planche pour enfants, c'est un skate pour enfants. Les pennyboards c'est du skate en penny de cette taille-là, mais pour adultes. C'est pas dans un état folichon, hein. Je l'avais montré sur la vidéo, le contreplaqué est en train de se dédoubler. Donc il va falloir que je fasse sauter le grip. Et c'est un skate que je vais poncer pour faire une œuvre d'art. Donc vous avez déjà vu ce que je fais en œuvre d'art. Il était vendu 6 euros, je l'ai négocié à 2 euros. Oui, je sais, je suis un rat. J'étais mort de rire juste avant de tourner le débrief là. Parce qu'en fait, quand j'ai noté sur mon petit papier les prix auxquels j'avais négocié les trucs, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, c'est pas possible, je suis un vrai rat. Quoi. Et bien voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette brocante immense, brocante vide-grenier, vous aura aiguisé pour les prochaines. Et puis, on va se dire à très bientôt pour la prochaine vidéo de brocante, parce que je sais que ça reprend. À très vite sur le monde de l'Humpy. Tchuss !